Beaucoup. Permettez-moi de conclure de la manière suivante. Comme je l'ai déjà dit, les ateliers de travail doivent être une partie, constituer une partie importante si nous voulons faire la différence et avoir et vraiment jouer notre rôle pleinement. Et c'est d'ailleurs la proposition de cette World Policy Conference, l'idée d'organiser ces quatre ateliers de travail, et nous souhaitions nous concentrer sur trois thèmes de base pertinents pour les problèmes de gouvernance mondiale. Clairement, l'énergie, la gouvernance, les produits alimentaires et la santé. Il y en a un qui manque, un élément qui nous manque, qui est l'information. L'information, et j'aimerais donc ajouter que j'aimerais ajouter un atelier de travail sur ce point l'année prochaine. De plus, nous devrions peut-être penser à l'eau comme étant un thème indépendant, parce que là, il faut y réfléchir. Nous avons besoin d'approches transversales ou horizontales, et c'était ce que Stuart Patrick a dit, et Stuart est lui-même en train d'entreprendre un effort incroyable en la matière, un programme sur la gouvernance mondiale. Donc, ma dernière question, quelles sont vos propositions d'amélioration quant à l'organisation intellectuelle, si vous voulez, par rapport aux plénières ou aux ateliers de travail? Surtout si vous avez des idées, faites mon état, je vous en remercierai énormément si nous pouvions avoir un échange en la matière. Voilà, ceci étant dit, merci à vous toutes et tous. Nous allons maintenant entrer dans la prochaine plénière et je peux également vous dire que j'étais très surpris de manière positive qu'il y avait autant de personnes dans la salle. Après les deux journées, je me suis dit on va être seul au podium. Ça aurait été sympa aussi. Voilà.